Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Ford Mustang 2015. Bien que construite aux États-Unis, dans l'État du Michigan, la particularité de cette Mustang, c'est que c'est la première en 50 ans d'histoire commercialisée en Europe. Côté look, ça tranche un petit peu quand même avec les anciennes générations, même si on reconnaît tout de suite cette calandre trapézoïdale ou cette face avant, on dirait un nez de requin typique du constructeur. Autre élément de conception classique, les feux arrière tridimensionnels. À savoir que le 5 litres de 8 donc, que j'ai essayé hier consomme à peu près 13 litres au 100 km dans les mêmes conditions de roulage. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le son. Capot interminable, ligne tendue, c'est un sans faute au niveau stylistique. Ford a lancé la production donc, de ses Mustangs pour l'Europe, avec au choix 10 coloris de carrosserie, et vous aurez des jantes de 19 pouces, des phares HID automatiques, la clim bizone, feu arrière à LED, ainsi que le diffuseur à l'arrière. Les équipements de série incluent également un système audio à 9 haut-parleurs, le système Sync 2 à commande vocale que je ne présente plus, associé à un écran tactile couleur de 8 pouces. On retrouve donc sur cet écran tout ce qui est GPS, radio et infos sur le véhicule. En dessous de l'écran, vous avez des commandes pour tout ce qui est musique, la clim, bizone, mais également les commandes de sièges chauffants et ventilés. Et juste en dessous, on va voir ce qui permet de revisiter le plaisir de conduite avec cette nouvelle Mustang. Ici, on modifie la réaction du volant, confort, normal ou sport. Et ici, il y a différents modes. Les modes de conduite, accessibles ici, donc par exemple neige, humide, normal, sport plus ou track, permettent d'ajuster le contrôle de stabilité électronique, la réponse de l'accélérateur et également les changements de vitesse automatiques, sans oublier la direction. Concrètement, vous aurez une réponse différente selon le mode. A savoir que le mode track inclut un système de contrôle au démarrage, le launch control, c'est un accéléromètre destiné à l'enregistrement des forces d'accélération, mais aussi le système line lock dédié au patinage des roues arrière, plus communément appelé burn. Ford présente ici le modèle le plus rapide de la gamme à l'accélération jamais présenté en Europe, avec un 0 à 100 abattu en 5 secondes 8 et 1 seconde de moins pour le 5 litres V8. Cette nouvelle Mustang repose sur une suspension entièrement indépendante à l'avant comme à l'arrière. Concrètement, ça privilégie la dynamique sportive et le confort. Et franchement, là, il n'y a rien à redire non plus. 4,70 m de long, 2 m de largeur. C'est un gabarit qui demande un petit temps d'adaptation. Et un vrai coffre, qui plus est, bon ici il tombe un petit peu puisqu'il y a la capote en toile à l'arrière, mais sur la version, donc la version disons fastback, et non convertible, comme disent les anglais, il y a un peu plus de place dans le coffre et surtout la banquette arrière est rabattable. Alors c'est sûr qu'on ne va pas aller chez le roi Merlin faire ses courses avec une Mustang, mais il y a quand même de la place. Et ce qui est également très rapide pour un cabriolet, c'est le temps que met la capote à se refermer. On est loin des 30 secondes exigées sur d'autres modèles. Hop, on finit manuellement, voilà, et on monte les vitres, rapide. Volant font une prise en main assez sympa, la boîte aussi assez réactive. Bon évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec ces 2 mètres de largeur, il faut s'y faire au gabarit au départ, mais après, ça roule tout seul. On n'est pas exactement sur des highways pour cruiser comme aux États-Unis, mais c'est pas vilain comme cadre. J'ai connu pire. D'une Mustang, vous aurez le choix entre deux carrosseries, soit coupé, soit cabriolet, deux moteurs, donc le 5 litres V8 ou le 2 litres 3 EcoBoost, et également deux boîtes de vitesse, manuelle
ou automatique. À savoir qu'en Belgique, il y a 16 revendeurs agréés Ford Mustang, Edo Luxembourg, le garage collé à Niederkorn, mais également Wrangler à Etelbruck. Enfin, et ça c'est une excellente surprise, le prix de cette Mustang, ici on est à 35 000 euros, et pour le coupé cabriolet équipé du V8, on arrive à 46 000. Je tiens à remercier évidemment Ford Belgique pour le prix du véhicule, pour cet essai, sans oublier le Golf de Junglinster pour son accueil. Vous retrouverez les photos de cet essai grâce à CF Photographie sur Test Cars, la vidéo sur YouTube mais aussi sur la télévision Rive 54. N'oubliez pas que Test Cars c'est aussi donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Google+, bref, sur tous les réseaux sociaux. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt! We'll be right back.